Salut, salut, salut. Trouver des écouteurs qui marchent des deux côtés, incroyable. Théophara, merci pour le follow et merci pour ton retour, ça fait très plaisir de voir que mon petit projet intéresse des gens. J'ai passé un super week-end, je pense qu'on va en parler un petit peu. Après, j'en reparlerai peut-être ce soir. Je sais pas. Pas vraiment de programme là. Continue ce qu'on fait. Voilà. Tout est prêt, tout est installé. Hein. Donc, on bossait sur. Quand tu veux, Photoshop. Oui, c'est vrai qu'il commence à devenir lourd le pauvre fichier là. Tellement d'images dessus. Du coup, je vais être un peu en retard pour les VOD, hein, mais c'est la reprise des événements. Hey, c'est la première fois que ça me fait ça, mais je suis fou là. Je vous jure, je suis fou là. Déplacer ça. Déplacer ça. J'ai fermé Photoshop, peut-être c'est à cause de ça, mais. Trop de viewers, lol. Les mecs, vous tenez dans mon salon, ça va, on n'est pas trop. Mais non, mais là, c'est la première fois que ça me craque tout entre les doigts. Qu'est-ce qui se passe? Là, je suis en train de relancer la cam. Deux fois de suite, c'est un peu trop là. Agacé. Que je solutionne le problème avant ce soir. Ok, la caméra elle va finir par se relancer, non? C'est quand tu veux! Elle commence à se lancer, c'est bon. Ah. Oh. C'est des trucs chelous là, dis donc. Deux fois! Et on fait rien de particulier. Bon, j'ai fermé Photoshop. Bon, faut que je regarderai après le live. Mais ça fait chier là, si ça fait ça à chaque fois. Va falloir investir. L'ordinateur, il n'arrive plus. Et j'ai pour ambition de vous faire des trucs bien plus complexes que ça. Un vrai problème. Allez que ça arrive un jour ou l'autre. Allez, je vous montre un peu les tables. Je fais un petit tour des photos. Et après, je coupe.
tables qui étaient magnifiques. Donc là, c'est des tables sur lesquelles on a joué. Parce qu'il y a les belles tables que je vous montrais avec les carops et tout, c'est des tables de TGCM, c'est des tables qui sont sur le côté, on jouait pas dessus. Plutôt des tables de présentation, de photos et compagnie. Là, vraiment, on a joué dessus. C'est là-bas, par exemple, j'ai joué dessus. Contre des Kerops d'ailleurs. Donc vous doutez bien que les hauteurs étaient à ma faveur et pas celles du Kerops. De toute façon, on n'a pas trop eu le temps de se déplacer. On a une table. Alors, si vous voulez savoir l'origine des tables, il suffit d'aller sur mon Facebook parce que Lionel a commenté chacune des photos pour dire à qui était la table. Bravo. Merci Lionel. Celle-là, elle est belle, hein. Elle est belle. Je crois que c'est une table à TGCM. Ça, c'est la table de Lionel, justement. C'est la table à Arnaud. Il y avait deux tables à Arnaud, mais je sais pas si j'ai mis toutes les photos, parce qu'on peut mettre que 10 photos sur Insta. Là, il y avait cette table-là qui est belle aussi, celle que ça doit être une table à TGCM, la table un peu Maok, asiatique, les ruines du temple, une jolie table. Ah, la plupart des tables, c'est TGCM ou Rochin Mondeclub, de toute façon, vu qu'on était un peu à la maison. La table des Esquimaux, quoi. La taverne du Rochin Model Club. Ça, c'était la table de Flo, je crois. Du coup, Flo qui a fini premier, hein, à Briscard. Bravo à lui. On avait fait le speed painting, c'était bien cool, je referais. Je suis inscrit parce qu'il restait de la place au dernier moment à la fin, mais finalement, c'était cool. Je referais ça avec grand plaisir. Donc, on avait peint des carcasses et en fait, il lisait un poème et chaque passage, en gros, on changeait de contraintes, un pied en l'air, pinceau dans la bouche, changer de palette, etc. C'était très fun, c'était très drôle. Et c'est cool, hein, les résultats qu'on a fait, c'était sympa. Et donc c'était organisé par, enfin c'était chapeauté ce speed painting par la Forge du Dick et Copain. J'ai bien aimé. Alors ça, oui, bon, lui il est magnifique. Le bateau pirate. Limite, t'as envie de jouer à Briscard à cause du bateau à pirate. Tu lis même pas les règles, tu regardes juste ça et t'as envie d'y jouer quoi. Pris quelques photos. Mais je pense que je suis pas le seul à avoir pris des photos parce que cette pièce est quand même complètement ouf, magnifique. Avec les petites lumières à l'intérieur et tout. Assez fou. Un peu de carnage, donc il y avait le gros château. Qui a servi beaucoup pour les photos du livre de règles d'ailleurs, parce que je me rappelle de cette barricade. Voilà. Et ça, c'est le nouveau décor. C'est celui où on a vu le rapport de bataille chez Marco et ses potes en mode bataille, justement. Avec la lave et tout. Ceux qui ont lu le roman savent pourquoi. Le deuxième. Enfin, quoique le premier, on peut se douter. Mais dans le deuxième. Là, j'ai encore les tables qu'on avait. Ça, on l'avait vu sur le rapport de bataille de French Wargame Studio. Avec les huttes et tout. Qui a donné. Alors, c'est une des tables qui donne un des tapis de jeu. Donc là, on a un bon vieux Tarsac qui va aller pas de compte du goon. Ça, pareil, c'est le trébuchet, il est super, mais c'est pas une table de jeu, c'est une table de présentation des figurines et ça fait toujours un peu son petit effet. Et apparemment, elle marche vraiment parce qu'il y a vraiment un contrepoids et tout. Et ça aussi, ça fait l'occasion d'un autre tapis de jeu. Le cimetière aux éléphants. Il me propose rien d'autre ici. On va revenir là-dessus. Là, je vous l'ai montré. Ah, il y avait les canonniers. Les canonniers, c'est. Un club de peinture, une asso de peinture du Nord. Et donc il y avait leur magnifique production. Très beau buste de Karl. Il y avait plein de choses. Hein. Elles sont assez folles. Niveau de peinture qui n'est clairement pas le mien. C'était cool. Et voilà, j'ai pas pris beaucoup de photos en vrai. Première photo que j'ai prise, c'était ma bière. J'étais obligé. Mais ouais, j'ai pas pris tant de photos que ça. J'ai filmé un peu. Je vais voir avec les gars de TGCM s'ils veulent que je leur file ou sinon je vous ferai un truc. Je sais pas. De toute façon, là, faut que j'attende que ma femme revienne parce que c'est elle qui a pris le lecteur de carte SD.
Tant qu'elle me l'a... tant qu'elle est pas rentrée à la maison, elle est partie en petites vacances. Tant qu'elle est pas rentrée à la maison, de toute façon, je peux pas vous montrer les vidéos. Mais j'ai pas filmé beaucoup non plus, hein. J'ai fait un petit tour des lieux. Il y a des petits bouts de la soirée et tout ça, mais c'est vrai que j'étais pas trop dans le mood. J'ai plus envie de filmer en ce moment. Je gave un peu parce que j'ai l'impression de passer à côté de l'événement en fait quand tu. Donc il y a des youtubeurs qui font ça très bien. Moi c'est pas mon dada. Donc voilà. En tout cas, moi j'ai passé un super moment encore une fois. C'est vrai que ça a marqué quelques-uns de voir que bah l'ambiance était GCM en tournoi. C'est bonne franquette, quoi, on s'en fout. Même les tauliers du jeu, ils s'en foutent un peu de gagner, on est là pour s'amuser. Ça se jette des vannes et tout, c'est tranquille. Il y a beaucoup de nouveaux qui avaient jamais joué hein, et qui viennent en tournoi directement, et ils ont bien raison, c'est comme ça qu'il faut faire. Nous on le sait, enfin moi en tout cas à Carnage, en tout cas ils le font, je sais pas s'ils le font à chaque fois à Briscard, mais généralement ma première partie en face c'est un nouveau et c'est un peu pour le briefer, pour le reste du tournoi quoi. J'essaye de mettre un mec qui connaît les règles en face d'un nouveau, comme ça au moins la partie ça peut avancer, parce que celui qui maîtrise les règles, ben voilà, il peut donner des conseils au nouveau, et puis surtout ça va pas chercher dans le livre de règles toutes les 5 minutes. Parce que ça peut grandement ralentir une partie. Mine de rien, c'est long une partie, hein. Enfin, je dis ça, mais moi j'ai joué avec Guy et Guy. Guy il est réputé hein, pour son temps de jeu. Hein. 1h30, on a fait un tour, quoi. Bon, c'est pas grave, on a rigolé, on est là pour ça. Hein. Pas là pour gagner. Si on était là pour gagner, c'est raté, hein, parce que je suis pas trop trop haut dans le classement. Donc, toute l'année, vous m'avez fait des vannes en mode hey, c'est l'homme à abattre. Pas grand chose à abattre, les gars. Je fais une égalité, une victoire, une défaite. Mais encore une fois, Golaverage de Sagouin, je trouve, ça marche pas du tout. Il y a trop d'écart entre les scénarios en fait. Il y a des scénarios qui te rapportent énormément de points. Et des scénarios qui n'en rapportent pas du tout. On vient pour. Bah moi je ouais, je viens pas pour casser des bouches, mais je viens pour faire la bagarre. Hein. Après, s'il y a un prix qui va avec parce que j'ai assez de casser de bouche, tant mieux. Mais moi je viens faire la bagarre, c'est tout. Faire la bagarre et boire des bières. C'est aussi pour ça que je suis encore moins motivé à jouer à Briscard. Parce que si j'étais joueur de Briscard et de Carnage, ça voudrait dire que je fais les deux tournois à chaque fois, je pourrais pas m'en empêcher, mais déjà un tournoi, moi c'est fou. Bon, ça m'a fatigué quoi. Au JFJ, j'avais fait Alchemy un jour et le lendemain, j'avais fait Carnage. Enfin, je sais pas, moi, mon activité préférée, c'est quand même de boire des bières en discutant. Du coup, deux tournois le même week-end, c'est un peu trop pour moi. Pas un vrai tournoyeur, moi. Spécialement plaisir à faire ça, j'ai plaisir à jouer avec les copains en face et tout. Comme il y en a, il disait finalement, plus qu'un tournoi, c'est une rencontre. Et ça me va bien, moi, cette façon de voir les choses. À Briscard, j'ai un objectif par tournoi, lancer au moins un Briscard sur son allié. Ouais, on se fait des petits challenges perso. Bah allez, bah de toute façon, moi je vais faire mes boutiques. Merci d'être passé. Et n'hésite pas à repasser, hein, ou aller sur les autres réseaux, Discord, quoi que ce soit, ou on se retrouve sur le Discord de TGCM si tu y es aussi. Hein. J'espère qu'on se croisera sur une table de jeu, parce que tu seras mis à carnage. Mais du coup, ouais, moi je vais faire pareil, hein, parce qu'il faut que j'aille manger, il paraît que je suis tout maigre. Donc il faut que j'aille me faire à manger. Mais ouais, les petits challenges perso. Moi, j'ai un petit challenge perso quand je joue à Carnage. Et si je tombe sur Brucha et Apathé, les deux sœurs, m'en fout de gagner la partie du moment que je les ai tués et pillés pour récupérer leur petite culotte. Voilà, c'est ma victoire personnelle. Et il en faut pas beaucoup plus pour que je sois content. Malheureusement, ce tournoi, je ne suis pas tombé sur ces adversaires-là. Bon, en tout cas, merci. Désolé pour les bugs, désolé pour tous les problèmes. J'ai essayé de voir pour régler ça avant ce soir. Mais je crois que la seule façon de régler vraiment ça, c'est du matériel. Sauf que bon, j'ai une économie plus que délicate. Donc il va falloir que je budgète un peu tout ça et que je voie comment j'étalonne tout ça. Mais on va pas pouvoir y couper malheureusement. L'ordinateur nous l'a dévoilé aujourd'hui. Bon, je regarde ça et puis j'espère que je vais réussir à améliorer et m'en sortir avec ce merdier. Peut-être à ce soir, avec grand plaisir. En tout cas, moi j'y serai parce que j'ai mis sur le programme, donc je vais essayer de m'y tenir.
Après, par contre, il n'y a pas de programme. Donc, tout dépendra qui est là et de l'envie du moment. Soit on parlera du jeu, on parlera de game design, soit on parlera de jeu en règle générale, soit on fera un jeu. Après, si ça saute tout le temps comme ça, j'ai un peu peur de streamer un jeu vidéo ou quoi que ce soit. Donc, ce sera peut-être juste du just chatting, hein. Quoi qu'il arrive, on verra. Je vais faire des tests dans la journée, puis on verra. En tout cas, merci d'être là. Ça fait plaisir de voir que le projet intéresse aussi. Et ben, je vous fais des bisous et je vous mets l'écran de fin. Incroyable. Ah, c'est la cata! Non! Vous m'entendez au moins? Vous me voyez pas, mais vous m'entendez. Au secours! Y a plus rien qui marche! Oui, ça marche. Oh putain. 2 jours. Deux jours. Oh putain.